vie, à part le chant de l'âme que je continue, que j'ai vécu un éveil échéquéen. Une première étape a été de faire un match nul avec un 2000, ce qui a fait que j'ai eu un cerveau qui s'est développé au niveau de surdoué et il y a eu des transformations dans les mécanismes du cerveau. Suite à cela, j'ai lutté de manière acharnée contre un 2400 en échec, l'ordinateur d'Europe Échec. Vous faites Google, vous tapez Europe Échec ordinateur, vous le trouvez. J'ai fait des combats épiques contre des 2400, ce qui m'a valu le calme mental. Et après, je me suis battu contre des 2600 de manière épique aussi. Et j'ai vécu une sorte d'éveil échiquéen, hein. Un éveil que je n'arrivais pas à trouver par le bouddhisme, par l'Advaita Vedanta ou par la voie du Christ. Un truc qui est un éveil pour les guerriers, pour les stratèges, pour ceux qui sont pour la guerre pour la paix. Et c'est un éveil qui est tout à fait aussi valable que les autres éveils, sauf qu'on est beaucoup plus actif, on est un combattant. Voilà, je voulais vous dire ça. Je suis devenu, bon, on va dire quelqu'un.